bénit le Seigneur ce matin. On va prendre ce chant qui dit simplement « Venons l'adorer ». Nous sommes venus pour louer et adorer notre Seigneur. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est venu pour adorer son Dieu? Est-ce qu'on a des adorateurs ce matin? Amen. On va prendre ensemble « Venons l'adorer ». De Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Oui, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras, roi de l'infini, roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre, oui, venons, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds,
t'adorer, Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens contempler, je viens à tes pieds, Jésus-Christ, mon Seigneur. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Mon Seigneur. Est-ce qu'on peut le proclamer? Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus-Christ, Jésus-Christ, proclame-le ce matin qu'il est ton Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours reposent entre tes mains. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix qui me guide, qui me guide à travers l'orage. Dans mes épreuves, tu restes auprès de moi. Toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé un père, j'ai trouvé un ami, et je vis dans ta bonté, ô Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon je chanterai la bonté de Dieu. Encore une fois, on va reprendre. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Et on va proclamer ta bonté, Seigneur. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté
elle me poursuit sans fin. Je viens te poser ma vie à tes pieds, à toi je me soumets. Ta bonté me poursuit sans fin. Oui, ta bonté, yeah, yeah. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Elle me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, je viens déposer, Seigneur, ma vie à tes pieds. À toi, je me soumets, je me soumets. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Oui, je viens déposer, Seigneur, ma vie à tes pieds. À toi, je me soumets. Yes. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté, Seigneur, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté, Seigneur, ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds. À toi je me soumets. Yes. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Puis dans ma vie tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Yes. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je
je t'adore, Seigneur. Si je vis, c'est pour t'adorer. Voilà, voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, c'est un contexte un peu particulier, tendu dans toute la France, mais c'est bon de se retrouver autour du message de Jésus, message de paix. Voilà, et souhaitant la bienvenue à tous ceux et celles qui seraient là pour la première fois, je vais sans plus tarder laisser la place à la parole de Dieu, aujourd'hui qui sera apportée par notre invité, le pasteur Johan Benoila, qui est venu ce matin avec, qui sera avec nous toute cette journée avec son épouse Mélissa. Tiens, j'invite Mélissa à se tenir debout parce qu'on va voir ton mari tout le temps. Si, c'est bien. Voilà. Sois la bienvenue. Voilà, ils sont parents de deux garçons, Naël et Milan. Voilà, donc ils viennent de Dunkerque, de l'église de Dunkerque, mais plus exactement de Saint-Paul-sur-Mer. Et ça, c'est dans le nord. C'est dans le nord, au pays des Ch'tis. Donc, c'est un pasteur, mais il n'a pas l'accent Ch'ti parce qu'à la base, il est de la région parisienne. Mais il a eu un moment d'égarement, il est allé dans le nord. Et Dieu le ramène à la raison, le fils prodigue, voilà. On peut applaudir la grâce de Dieu quand ça revient à la maison. Que Dieu te bénisse, Johan. Moment d'égarement, moi je dis parfois un moment d'exil pendant 2 années. Voilà, mais on est là, on est heureux d'être là. On se sent à la maison en région parisienne et dans l'église ce matin. Et très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je vous propose qu'on partage autour d'un thème que vous connaissez sans doute. C'est le thème du repos, le repos de Dieu. Voilà, je vais, avant de lire la première lecture qui introduira le message, j'aimerais qu'on prie ensemble, demander à Dieu sa grâce sur ce moment. Même si ça a déjà été fait, on peut encore le faire. Mon Dieu, ta parole est la vérité, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et je prie parce qu'elle est l'épée de l'esprit, que ton esprit se saisisse de ta parole. Tout ce que je pourrais dire qui sera en accord avec elle, que ton esprit puisse comme l'appliquer au cœur de chacun. Père, on a chanté Jésus ce matin. Et ce n'est pas un autre nom dont nous voulons parler. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un don que tu as fait par excellence, c'est celui de ton Fils. Et c'est vers lui que nous voulons porter nos regards maintenant. Donne à quelqu'un de s'émerveiller peut-être tout à nouveau de Jésus-Christ, de ta parole qui nous le révèle. Seigneur, assiste-moi et assiste chacun ce matin. Au nom de Jésus, amen. Alors voilà, je vais vous lire un premier texte dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 1 à 3. Alors je l'ai écrit là, c'est pour ça peut-être que vous ne me verrez pas ouvrir la Bible à chaque fois, c'est parce que j'ai les textes bibliques sur l'ordinateur. Genèse 2, verset 1 à 3. Il est écrit ceci. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. » Donc on pense que quand il est dit leur armée, c'est tout ce qui est venu, Dieu a fait pour peupler la terre qu'il a créée, les oiseaux du ciel, les êtres humains, etc. Tout ce que Dieu a fait, c'est l'armée de sa création. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Notez bien, Dieu avait achevé, parce que j'y reviendrai, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint ou sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Amen. J'ai voulu partager ce thème parce que oui, on arrive dans la période estivale et peut-être certains attendent
un temps de repos bienvenu après des durs mois de labeur. Mais c'est plus fondamentalement parce que ce thème-là traverse toutes les Écritures. Et parce qu'au fond, nous sommes toujours les mêmes hommes que ceux d'il y a 2000 ans, qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs. Nous partageons une même humanité. Et nous sommes tous, j'allais le dire, des gens qui sont profondément fatigués. Parfois, cette fatigue, elle ne se ressent pas parce que nous sommes dans une espèce ou forme d'aveuglement tel que nous ne réalisons même plus notre état. Et je crois, comme nous l'avons chanté, Dieu nous aime. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, il a encore quelque chose à nous, pas à nous dire de nouveau, à nous redire. À nous qui sommes chrétiens, et peut-être quelqu'un qui n'est pas encore au Seigneur, Dieu a quelque chose à lui dire. Et je vais, avec vous, partager autour de ce repos, quatre textes de l'Écriture me serviront de ligne directrice. Et j'irai un petit peu dans l'Évangile de Jean et voir comment Jean fait ressortir ce thème du repos. Et ce que je me suis rendu compte quand j'ai préparé, c'est qu'en fait le thème du repos, le repos de Dieu, est en lien avec le temple. Vous trouvez ça déjà dans la Genèse, vous trouvez ça ensuite dans tout le Nouveau Testament, et dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et son contraire, c'est quoi? Le repos, c'est l'exil. L'exil, l'idée que l'être humain, à cause du péché, ne peut pas demeurer en la présence de Dieu. Et il est obligé, malheureusement, de vagabonder. Il est obligé d'errer, ça et là, tentant de s'en sortir par lui-même, d'assumer son existence, mais il ne peut pas. Et pour essayer d'être plus clair, alors peut-être que certaines choses ne seront pas claires, j'essaierai d'être le plus clair. Mais si jamais il y a quelque chose qui ne vous a pas semblé clair, vous n'hésitez pas à venir me voir à la fin, je pourrai partager à nouveau. Il y a des choses, je serai obligé d'aller très vite. Mais voilà, je vais tenter d'être le plus clair possible et pour peut-être vous aider, gardez ce schéma à l'esprit. Dans les Écritures, on peut dire qu'il y a d'abord la création, en Genèse. Tout de suite après, la chute. Et tout l'Ancien Testament, on peut le considérer comme la promesse que Dieu fait d'un sauveur. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la promesse. Jésus vient, la rédemption. Mais ensuite, on voit le livre de l'Apocalypse. Dieu nous transporte dans les temps futurs. C'est le parachèvement où finalement nous, vous et moi qui croyons en Jésus-Christ, nous jouirons pleinement du salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc création, la chute, la promesse que Dieu fait. La rédemption accomplie et l'accomplissement à la fin des temps lorsque nous serons entrés dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, la Jérusalem céleste. Donc je vous ai lu ce texte, je vous le relis. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Ce qui donne à ce jour toute sa sacralité, c'est parce que Dieu a tout achevé. Il regarde sa création et dit « tout est très bon ». Et lorsque Dieu dit ça, il pose comme un point final à sa création. Tout est achevé. Dieu lui-même, en somme, il dit « il n'y a rien n'a ajouté ». Vous savez que le dernier jour, le sixième jour, Dieu crée les animaux de la terre et point d'orgue de sa création, vous et moi. L'être humain créé en image de Dieu. Et lorsqu'il a fini ça, lorsqu'il a achevé sa création, il dit tout est très bon et on est dans le septième jour. Et quelqu'un a dit ceci, ça c'est Henri Blocher, un théologien évangélique qui est encore vivant. Il dit ceci, le septième jour, en se reposant, Dieu est en train de dire qu'il a tout fait, il a tout fini, c'est bon. Mais en même temps, ce septième jour ne s'achève pas. Pourquoi on peut dire cela? Parce que si vous prenez les jours de la création, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois, il est parlé jour et nuit. Et le septième jour, il n'est pas parlé de jour et nuit. C'est comme si pour celui qui a été conduit par l'Esprit de Dieu, il veut nous dire, ce septième jour ne se termine pas. Le jour du repos de Dieu ne se termine pas. Et on ne s'en rend pas compte ce que cela veut nous dire. Ça veut dire que le premier jour de l'être humain commence ce jour de repos.
il va commencer son activité ce jour-là. Dieu lui est en train de lui dire, tu dois vivre dans mon repos. Tout est achevé. Il n'y a rien à ajouter. Tu n'as pas besoin de te casser la tête pour essayer de trouver quelque chose à faire de plus que ce que j'ai fait. Tu devras juste prendre soin du jardin, le développer, oui, mais ne rien créer de nouveau. Tout est fait. Et dans ce septième jour, l'être humain sera appelé à vivre et à s'épanouir et à servir Dieu. Et pour certains, peut-être, qui ont une Bible du Semeur version d'étude, il y a une petite note qui dit ceci. Ce jour-là, c'est un jour vécu dans la présence de Dieu. En fait, ce que Dieu voulait, c'est qu'on vive ce septième jour qui ne se finit pas dans sa bonne présence. Un jour de culte, c'est-à-dire de service et d'adoration pour le Seigneur. Un service qui ne s'arrête jamais. Ainsi, le fait de cultiver et de garder le jardin pendant ce jour saint s'apparente en définitive à un service, à un culte. Un service pour le Seigneur dans son sanctuaire que représente le jardin à ce moment-là. L'homme pourra se mettre au service du Seigneur qu'à une condition, c'est de demeurer dans quoi ? Dans le repos de Dieu. En dehors de ce repos-là, c'est comme si Dieu lui dit « tu ne pourras rien faire ». Et sans doute, peut-être que ça fait écho à une autre parole qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dont je reparlerai tout à l'heure. Et ce jardin, puisque j'ai parlé du repos et du temple, dans ce jardin, vous trouvez, donc Dieu a mis tous les arbres qui sont nécessaires pour la vie de l'homme. En somme, il est en train de dire à l'homme, ici, tu as tout ce que tu as besoin. Pas besoin de suer, pas besoin de te casser la tête. J'ai tout mis à ta disposition. Il y a bien sûr l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a un petit élément, peut-être on se dit, mais pourquoi c'est là ? Le texte dit qu'il y a un fleuve. Un fleuve qui sort d'Éden et qui va se diviser en quatre bras, j'y reviendrai. Et dans ce jardin, j'ai dit, Dieu fait une alliance. Laquelle ? Multipliez-vous et dominez la création. Sous-entendu, Dieu appelait l'homme à administrer sa belle et bonne création de Dieu, à en prendre soin, à la développer, cultiver et garder le jardin. Et bien sûr, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Et pour qu'il puisse assumer cette alliance, qu'est-ce que Dieu fait ? Il donne un vis-à-vis à Adam, une femme, pour nous dire déjà que l'homme ne sera jamais sans la femme. Et je ne parle pas seulement de la relation du mariage, mais dans une église, s'il n'y a pas de femme, c'est catastrophique. Parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Mais s'il n'y a pas d'homme, ce serait aussi problématique. Et Dieu dit, l'homme ne sera pas sans la femme. Pour assumer mon alliance, il devra avoir son partenaire. Amen. Je poursuis. Donc c'est très beau, tout va bien. Mais vous connaissez la chute ou la désobéissance. L'homme et sa femme vont briser l'alliance. Comment ? Ils vont faire ce que Dieu avait interdit. Séduits par le serpent qui leur promettait d'être comme des dieux ou Dieu, de pouvoir décider eux-mêmes ce qui est bon et mal, Satan les séduit en leur proposant quoi ? L'autonomie, c'est-à-dire d'être leur propre loi. Et voilà le problème. À partir de ce moment où ils choisissent cette voie-là, la grande fatigue va commencer. La grande fatigue va commencer pour la première fois, les amis. L'homme et sa femme vont se voir de leur propre regard seulement et ils vont avoir honte. La fatigue ne commence pas quand ils vont être chassés du jardin. Elle commence déjà intérieurement. Vous savez, avoir honte de soi, c'est fatigant. C'est pas vrai ? Quand on essaie de se cacher, quand on essaie de gommer des traits de caractère ou on essaie de gommer des traits de visage qui sont bien apparents pour tous ceux qui vous voient, vous avez beau les camoufler, vous n'y arrivez pas. C'est fatigant, les amis. Alors, ils vont essayer de se cacher comme nous essayons de nous cacher. Ils vont prendre un des arbres du jardin, ils vont prendre des feuilles, ils vont se faire des pagnes. Mais ça ne marche pas. Et ils vont avoir peur. La peur aussi, c'est une fatigue. Et chacun d'entre nous, nous avons peur. Peur de certaines choses. Et même ceux, on pense, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est certains spécialistes. Ils disent les gens très agressifs, on pense que ce sont des courageux.
Mais c'est qu'en réalité, ils ont très peur. Et juguler cette peur, ils prennent les devants dans l'agressivité. Mais ils ont peur. Et nous avons peur. Et ensuite, ils s'accusent. C'est pas moi. C'est la femme. Et on accuse Dieu. C'est pas de ma faute. C'est toi qui as mis cette femme-là, celle qui était os de mes os, pour laquelle je te louais. Maintenant, je dis, c'est ta faute, Seigneur. Et fatigué de trouver des tentatives d'excuses, alors on accuse les autres. Et ensuite, Dieu dit quelque chose de très dur. Il dit à la femme, tu vas enfanter avec difficulté. Pourtant, c'était sa vocation dans l'Éden. Multipliez-vous à l'homme et la femme. Et là, maintenant, ça deviendra dur. Et tes désirs, en plus, vont te porter vers ton mari. Mais c'est lui, il va dominer sur toi. Sous-entendu, il va t'écraser. Et c'est bel et bien ce qu'on retrouve aujourd'hui encore dans notre société et dans toutes les sociétés du monde. Les rapports même entre hommes et femmes sont compliqués, y compris dans le couple. Alors qu'avant, en Éden, c'était l'harmonie la plus totale. Maintenant, l'homme est fatigué de ses relations. Il est fatigué de lui-même. Il est fatigué de celle qui est son vis-à-vis. Il est fatigué de Dieu. Il est fatigué de tout. Et à Adam, Dieu dit, mais maintenant, tu avais tous les arbres. Maintenant, tu vas devoir trouver tes forces en toi-même pour te nourrir. C'est à la sueur de ton front que tu devras manger ton pain. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Malgré tous tes efforts, cela finira par l'échec, tu mourras. Et voyez-vous, à ce moment-là, l'être humain va commencer ce que j'appelle le grand exil. Dieu va le chasser de ce bon jardin, là où il trouvait l'homme, va le chasser. Et depuis, vous et moi, nous vivons dans cette condition, loin de Dieu. Alors pour nous qui avons fait la paix avec le Seigneur par Jésus-Christ, nous sommes revenus à la maison. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, l'homme va commencer son exil. Il va devoir assumer lui-même sa vie. Et c'est dur, les amis. Peut-être les plus jeunes parmi nous, pour vous, la vie, elle est encore belle. Vous avez une forme d'insouciance et Dieu soit béni. Il permet ces moments-là pour se construire, pour se consolider. Mais quand on devient adulte et qu'il faut assumer les responsabilités de la vie, les responsabilités professionnelles, les responsabilités familiales, peu importe, on s'aperçoit que ça devient très vite compliqué. Et je crois que Dieu veut nous donner du repos. Je vous lis un autre texte, je poursuis. Je vous parle maintenant de la promesse. L'Ancien Testament, considérez-le comme la promesse. Dieu promet qu'il va faire quelque chose pour secourir sa création. Dans le jardin, déjà, je n'ai pas mentionné le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la femme et au serpent, la descendance de la femme va faire quoi? Elle va t'écraser la tête. Déjà là, Dieu promet qu'il va faire quelque chose pour remédier à ce qui s'est produit. Et ensuite, on ne le voit pas, mais Dieu est bon, les amis. Dieu va venir lui-même faire un vêtement. Il va venir prendre en charge lui-même le problème de la nudité. Il va couvrir. Et Dieu déjà est en train de dire, voici l'œuvre glorieuse que je vais faire, je vais vous en parler. Et donc l'Ancien Testament promet. Et il est dit ceci en Exode 20, 11, souviens-toi du sabbat ou du jour du repos, pour en faire un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le 7e jour, le sabbat, et en a fait un jour sacré. Voilà qu'après avoir été libérés de leur dur esclavage, Dieu donne une loi. Et dans cette loi, il les invite à se souvenir de quelque chose. À se souvenir de quoi? De ce qu'Adam et Ève vivaient avant la chute. À se souvenir qu'il existait un moment où l'homme vivait dans le repos de Dieu. Et pendant un jour, il l'invite à se souvenir que sa subsistance, que son identité, que ce qu'il est en tant qu'être humain, homme ou femme, n'est pas dû à ce qu'il peut produire pendant 6 jours, à ses exploits, à ses capacités, mais à ce que Dieu prend soin des siens. Et il est invité à s'arrêter, à se reposer
parce que Dieu a tout achevé. Il a déjà tout fait. Et l'homme est invité à le servir en jouissant de tout ce que le Seigneur a fait. Et donc, on pourrait parler des patriarches, des Noé, les Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce que Dieu promet à Abraham ? Un pays, un endroit où il va pouvoir se reposer. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ni lui, ni son fils Isaac, ni Jacob vont réellement jouir de ce pays. Jacob va finir en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il va manquer de pain. Et ça a un lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Il manque de pain, il est obligé d'aller chercher du secours et il quitte la terre qui avait été promise. Bien sûr, il va y avoir la libération de l'esclavage en Égypte. Et Dieu leur dit, allez vers le pays que je vous ai promis. Le pays où coule quoi ? Le lait et le miel. En gros, le pays où vous allez être bien, les amis. Mais quand ils vont dans le pays, déjà toute la génération qui était en Égypte ne pourra jamais entrer là-bas. Mais ceux qui vont entrer sous la conduite de Josué et Caleb, en définitive, ce pays ne va pas s'avérer être le pays de repos. Ils vont même imiter les nations alentour. Ils ne vont jamais réellement jouir d'un temps de repos. Bien sûr, David aura cette merveilleuse idée de construire un temple et c'est son fils qui va le faire. Il y aura le temple. Et vous savez quoi, dans le temple, ou plutôt le temple rappelle le jardin. Voilà, et c'était déjà vrai du tabernacle. Voilà le lieu où Dieu est présent parmi son peuple. Mais vous savez quoi, le temple présente quelque chose de dramatique en même temps. C'est qu'il y a un voile, on a chanté tout à l'heure, on a parlé d'un voile qui est déchiré. Mais dans le temple, il y a un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est là où il y a l'arche, symbole de la bonne présence de Dieu. Mais vous savez quoi, ce lieu, en définitive, il n'est pas accessible. Sur le voile, il y a quoi sur le voile ? Il y a deux chérubins. Avec leurs épées, comme pour dire les amis, oui, Dieu veut être là, mais en même temps, c'est pas, vous ne pouvez pas vous approcher encore. Et ça rappelle quoi ? En Genèse, l'arbre de vie est bloqué par deux chérubins. Donc Dieu dit, oui, je vous promets le repos, mais en même temps, on ne peut pas. En même temps, je ne peux pas m'approcher de celui qui est mon repos. J'offre des sacrifices, mais je suis toujours obligé d'en offrir parce que ça n'est pas parfait encore. Et puis, Moïse avait dit ceci, le jour où vous ne garderez pas l'alliance comme Adam, vous serez chassés du pays. Et qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, le royaume du nord va être chassé en Assyrie, Israël, et le royaume du sud va être chassé à Babylone. Et Dieu promet qu'ils vont rentrer. Et quand ils rentrent sous Néhémie, on se dit, c'est bon, le temple est reconstruit, Dieu est là. Mais Néhémie, dans sa prière, dit une chose, il dit ceci. Dans le pays que tu as donné à nos pères, nous sommes esclaves. En somme, oui, nous sommes rentrés dans le pays du repos, mais nous ne sommes pas en repos. Et quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez ceci. C'est que le peuple qui est sur sa terre est encore en exil. Pourquoi je dis ça ? Parce que non seulement il y a la puissance romaine qui est là, et le peuple est dans une forme d'esclavage, mais deuxièmement, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un homme qu'on pourrait qualifier de nouveau pharaon, Hérode. Pourquoi je dis cela ? Parce que Hérode a la même attitude que pharaon en Égypte. Il va tuer les bébés. Et donc sur cette terre où ils sont censés connaître le repos, ils sont dans la fatigue extrême. Leurs petits sont tués. Et vous comprenez pourquoi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, Jésus vient. Et j'aimerais que cet appel résonne dans chacun de notre cœur. Il dit une parole que vous connaissez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En gros, il était en train de nous dire, le pays du repos, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la terre. C'est moi. C'est moi le repos. Et les amis, tant qu'on ne réalise pas que la Bible est ce qu'on appelle christocentrique, ça veut dire quoi ? Centré sur Christ, on va avoir un problème. Si, et ce matin, les chants étaient vraiment focalisés sur Christ.
Si on oublie ça, on a dévié de la foi chrétienne. On peut nous apporter des révélations de fou, hein. Si on a oublié ça, on est en dehors des clous de la révélation des Écritures. Jésus-Christ, notre repos. Et vous savez quoi concernant Jésus quand vous allez dans l'évangile de Jean? Qu'est-ce que Jean, l'apôtre, nous dit? La parole s'est faite chair. Et elle a quoi? Habité. Et le mot utilisé, c'est le mot qui rappelle le tabernacle. Pour nous dire que Jésus, c'est lui, le vrai temple. C'est par lui qu'on peut rencontrer le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et il le dit encore qu'il est le temple quand il dit quoi? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Jésus nous dit qu'il est le temple, celui par lequel seul nous pouvons rencontrer Dieu. Et si vous êtes attentif dans l'évangile de Jean, à chaque fête mentionnée, Jésus fait un miracle ou un signe. Et il libère la personne de son esclavage, aveugle, paralysé. Le marié qui n'avait pas tout prévu. Vous savez, vous allez à un mariage. Vous préparez, mais vous n'avez pas assez préparé. Arrive 1h du matin où la fête, même pas la fête commence. Vous commencez peut-être à, ça dépend, manger le gâteau ou commencer le repas. Et là, il manque. Il manque. Qu'est-ce que vous allez vous dire? C'est quoi ça? C'est quoi ce marié-là? Même pas prévu. Et lui, il se tape la honte. Et bien, dans la culture juive, c'était ça. Le marié qui n'avait pas prévu, il a honte. Jésus sauve. Sauve de la honte cet homme. En changeant l'eau en vin. Il annonce par là sa mort. Et vous voyez, lisez attentivement l'évangile de Jean. Vous allez voir, à chaque fête, Jésus fait un signe qui dit ce qu'il est et ce qu'il vient accomplir pour l'être humain. Et il en fait d'autres. Il y a la résurrection de Lazare. Mais vous savez, quand il va ressusciter Lazare, le texte dit où il va? Il va à Jérusalem. Donc quand il ressuscite, il va vers la mort. Parce que c'est dans sa mort que nous avons la vie. Et pendant les fêtes juives, on est obligé de s'arrêter et de ne pas travailler. Le sabbat. Et c'est comme si Jésus, par les signes qu'il fait, il dit « c'est moi ». Quand il multiplie les pains, les Juifs savent que c'est à la sueur de leur front qu'ils doivent se nourrir. Mais il y a un homme qui multiplie des pains, les amis. Et ce jour-là, tout le monde court pour chercher Jésus. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent pour Jésus quand Jésus peut leur donner quelque chose. Et ce n'est pas mauvais. Mais quand le matériel ou la bénédiction matérielle prend la priorité, c'est problématique. Et Jésus dit, vous m'avez suivi, non pas parce que vous avez compris le signe, mais parce que vous avez mangé, les amis. C'est pour ça que vous me suivez. Et il dit quoi? Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle que le Fils de l'homme peut vous donner pour la vie éternelle. Et il dit quoi? Moi-même, c'est moi-même le pain de vie. La manne dans le désert, c'était qu'une image du vrai pain du ciel qui vient. C'est le Fils de Dieu qui donne sa vie pour le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie que nous tous, nous puissions réaliser ça. Et le repos auquel je vous invite, avant même d'être matériel, il est spirituel. Bien sûr, lorsqu'on se repose spirituellement en Christ, je crois qu'on a des nuits plus douces. Mais ce n'est pas d'abord je cherche les nuits plus douces, c'est d'abord je règle le besoin le plus élémentaire qui est le mien. À savoir de revenir dans la bergerie, je suis en exil, je retourne par Jésus-Christ dans la maison du Père. Ouais. Et ce qui est surprenant, c'est que dans l'évangile de Jean, même dans les autres, Jésus meurt quel jour? Pas le sabbat, le 6e jour, la veille. La veille du sabbat, comme Dieu avait tout achevé, le 6e jour. Et oui, et pourquoi je vous dis cela? Pour ceci. Parce que sur la croix, dans l'évangile de Jean, en tout cas Jean nous rapporte les paroles du Christ, il dit quoi? Ces derniers mots, vous les savez. Qu'est-ce qu'il dit sur la croix, les derniers mots? Comment? Tout est achevé. Comme Dieu avait dit,
tout est achevé, qu'il se repose. Sur la croix, Jésus dit la même chose. Et quand vous prenez le grec, ce mot utilisé, c'est le même mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament qui a été traduit en grec. C'est fini. C'est achevé. Sous-entendu, vous et moi, nous sommes invités, pressés, à nous reposer sur le tout achevé, une fois pour toutes, du Christ. Du Christ. Et ce jour-là, les amis, après qu'il ait dit ça et qu'il ait rendu l'esprit, baissé sa tête, on va venir lui percer le côté. Et de son côté va jaillir de l'eau et du sang. Et nous, on se dit, bon, c'est un détail, quoi. C'est juste pour nous dire que Jésus est mort. Oui, bien sûr, les soldats l'ont fait pour ça. Mais Jean, quand on est attentif à son évangile, à chaque fois qu'il parle d'eau, il parle de l'esprit. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, à la femme samaritaine, l'eau que je lui donnerai, si je donne de l'eau, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est en rapport avec le livre d'Ézéchiel, avec le temple. Temple du côté duquel va jaillir une source d'eau vive qui va vivifier tout ce qui va se trouver sur son passage. Et source dans laquelle le prophète au début a de l'eau jusqu'aux chevilles. Dieu lui dit avance au genou, avance à la taille, avance. Et ensuite, il est pas perdu, mais il est pris par ce courant de vie. Et en fait, sur la croix, Jésus meurt et Jean est en train de nous dire, celui en qui vous avez la vie, c'est lui le vrai temple. Parce que par sa mort et sa résurrection, il nous donne de son esprit, les amis. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le septième jour, la Bible dit que le jour du sabbat, en réalité, l'esprit du Seigneur est au Père et son corps, il repose dans la tombe. Et le huitième jour, ou le dimanche matin, vous connaissez la bonne nouvelle. Le premier jour de la semaine, Jésus va ressusciter. C'est pour nous dire que quelque chose de tout à fait nouveau prend place maintenant dans lequel vous et moi, nous sommes appelés à entrer dans la vie de résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors pourquoi moi je vous dis tout cela? Ce n'est pas juste pour plaisir de survoler la Bible. Bien sûr, j'aime la parole de Dieu et je sais que vous aimez ça. Et franchement, c'est merveilleux. On peut s'émerveiller devant les merveilles de la parole de Dieu. Et je t'encourage, parce que là, tout ce que je dis, finalement, si quand tu rentres à la maison, dans ton quotidien, tu ne prends pas le temps de pas juste lire. Un jour, une sœur m'a dit à l'église, « Est-ce que si je ne lis pas la Bible, je ne serai pas sauvé ?» J'ai dit, « c'est quoi ça ? Ça veut dire qu'on est sauvé en lisant la Bible. » Non ! Et la parole de Dieu ne nous encourage pas à lire, à méditer. Parce que méditer, ça fait... Oui, il y a lire dans méditer, mais pas seulement. C'est à comme Marie, se rappeler les choses de l'Écriture, les repasser sur son cœur, faire comme Marie, s'asseoir et s'arrêter pour écouter ce que le Seigneur dit. Et je sais que tout ce que je vous dis là, vous allez reprendre votre semaine, comme lorsque Sosten ou Jackie ou peu importe le pasteur qui prêche, vous entendez, vous reprenez votre travail. Et dans la frénésie de l'activité, nous ne prenons parfois pas le temps de nous arrêter et de méditer sur ce que nous avons lu. Surtout aujourd'hui, les amis, vous écoutez les pasteurs ici, mais à la maison, vous écoutez sans doute des prédications. Mais le danger, c'est que nous n'avons plus le temps de méditer sur ce que nous entendons. Et du coup, on peut devenir des boulimiques spirituels. Non, l'Écriture, il nous faut la méditer. Comme la ruminer, excusez-moi l'image, la vache prend de l'herbe, elle la mâche. Et ensuite elle l'assimile. C'est pareil pour nous. Et pourquoi je dis tout cela? Parce que vous savez, Paul dit aux Galates, vous avez bien commencé par la foi, par l'esprit, mais vous pouvez tenter d'achever par la chair. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous pouvez tenter de prendre en main votre existence chrétienne, je rajoute, et d'essayer de construire votre vie par vous-même, en vous appuyant sur vos exploits spirituels.
Et Paul dit, de la même façon que vous avez commencé, par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, par l'œuvre de son esprit, poursuivez comme ça. Je vous dis cela parce que dans nos églises, parfois, il y a des personnes qui, tout en disant être au Christ, ont peur. Peur par rapport à leur sort éternel. Et moi, j'étais comme cela. J'ai rencontré Jésus-Christ, j'avais 20 ans, j'ai commencé mon cheminement et j'étais dans la paix, je vivais quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà, j'ai commencé à marcher dans la foi chrétienne et sans doute, sans me rendre compte, à vouloir me prendre en charge. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lorsque je pensais au retour de Jésus, j'étais pas bien. Parce que je me disais, mais je suis mal barré, quoi. Parce que je sais que Jésus est saint par excellence, que le péché ne peut pas arriver en sa présence. Mais moi, je vois mon existence. Et tout en étant converti, je sais que j'ai encore des fragilités, pour ne pas dire des péchés. Et alors que je regarde à moi et que je me dis, voilà, il faut que je me sanctifie. Je suis pour la sanctification, mais pas vécu comme cela. Eh bien, la paix a commencé à partir. Et je sais que dans nos églises, peu importe de quel mouvement, il y a des hommes et des femmes qui sont en panique, en peur pour leur sort éternel. Et je te le dis, Dieu t'invite à regarder à Jésus. Tu vois le tout achevé là, qu'il a dit, il faut qu'il fasse écho dans ton cœur et qu'il change ta façon de tout considérer. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas vouloir trouver ailleurs qu'en lui ton identité, ta raison de vivre et tout le reste. Et tu seras très fatigué, mon ami. Très fatigué. Parce que cette fatigue-là, elle touche même parfois les pasteurs qui s'épuisent dans des choses que Dieu ne leur a pas demandées, qui essaient de bâtir des choses que Dieu ne leur a pas demandé de bâtir, alors qu'il nous appelle à demeurer, se reposer dans le Seigneur et à dire ces choses-là. Je sais aussi pour l'avoir vécu, les amis, que la honte est un mal terrible. Et je suis sûr ici qu'il y en a qui sont honteux. Quand ils se voient dans le miroir est très difficile à supporter. Surtout dans notre génération, avec tous les selfies, où tout le monde paraît beau, mais en réalité, le matin, on n'est pas là. Mais c'est vrai. Mais nous sommes construits comme ça. Et du coup, l'existence devient difficile à assumer parce que quand vous vous voyez dans le visage, les autres peut-être ne le voient pas, mais vous, vous avez l'impression que vos défauts, c'est ce qu'il y a de plus visible. Et je vous le dis par expérience, il y avait quelque chose en moi que je n'acceptais pas, mais que Dieu m'a appris à aimer. Je ne parle pas de péché, hein. Je parle d'un défaut corporel. Parce que nous apprenons à nous reposer dans le Seigneur et que ça touche tous les éléments de notre vie. Si je me repose en Christ, je vais être beaucoup moins tenté de rechercher l'approbation de mes pairs. Je vais être beaucoup moins tenté de vouloir être accepté par tout le monde, peu importe le prix. En tant que pasteur, si je repose en Christ, je vais être moins tenté de dire quelque chose qui plaît juste à la foule. Vous voyez les conséquences pour toute l'existence. Et j'aimerais nous inviter à ce repos-là. Et je m'adresse peut-être à quelqu'un qui est là, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Peut-être quelqu'un est là et qu'il n'est pas en Jésus-Christ, qu'il ne croit pas réellement. Et le Seigneur sait que tu te caches. Il sait parfaitement où tu te caches. Et vous voyez comment il va interpeller Adam. Il ne va pas crier « Adam, t'as fait quoi Adam ?» Il va lui dire une chose. « Adam, où es-tu ?» C'est tout. Et ce matin, le Seigneur n'est pas là pour écraser quelqu'un, mais pour lui dire « Tu es où là ?» Dieu sait où il est. Il était parmi les arbres. Et Dieu sait où tu te caches en usant de ses dons. Mais le Seigneur t'appelle à te tourner vers celui qui a été pendu sur la croix. Celui qui peut t'offrir le repos. Pourquoi ? Parce que sur la croix, Jésus s'est épuisé jusqu'à la mort. Sur la croix, Jésus est allé à l'exil à ta place. Parce qu'il est dit que Jésus est mort hors du camp, hors de la ville. Il a été exilé pour que vous et moi, nous soyons ramenés à la maison. Et je vais terminer en vous lisant ce texte merveilleux que je vous invite aussi à méditer.
du livre de l'Apocalypse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu finalement oriente nos regards vers un jour glorieux. Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Nous commençons à goûter ce repos et Dieu nous invite à regarder à ce jour où nous y entrerons pleinement. Il est dit ceci, « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. » Pour nous, on se dit, c'est rien, mais quand il est dit « la mer n'était plus », dans le monde juif, la mer, c'est les problèmes. La mer, c'est là où il y a Léviathan, où c'est difficile, où c'est l'œuvre de l'ennemi qui se fait. Là, il n'y a plus de mer, il n'y a plus de problème. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu quoi ? La ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Parce que la Jérusalem, dans l'Ancien Testament, c'était le lieu du temple, de la bonne présence de Dieu. Prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait quoi ? La demeure de Dieu avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Les amis, Dieu nous promet un jour où lorsque le Christ va venir, nous entrerons pleinement dans le repos que nous commençons déjà à goûter. Et toutes les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève auront disparu. Dieu sera avec eux. Et si vous lisez encore dans ce texte, dans ce chapitre-là, vous verrez qu'il est dit, il n'y a plus de temple, les amis. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même est le temple. Et l'agneau est son temple. Et nous pourrons à jamais nous tenir dans la bonne présence de Dieu. Et alors que nous serons là, notre vie sera plus productive que jamais. Nous porterons du fruit pour la gloire de Dieu. Nous aurons des responsabilités que nous ne soupçonnons pas. Et nous administrerons toute la belle création que Dieu aura faite à nouveau. Parce que nous vivrons à jamais dans le jour de son repos, celui qui est pour nous en Jésus-Christ. Il n'y aura plus ni deuil, ni larmes. Et si la Bible termine comme ceci, les amis, c'est parce que Dieu sait que notre vie ici-bas est comme un pèlerinage. L'apôtre Pierre dit que vous êtes en exil, vous êtes étranger dans un monde qui n'est pas le vôtre. Et en tant que chrétien, on ne peut pas se sentir totalement à l'aise. Mais un jour viendra où j'entrerai pleinement à la maison. Ceux qui, vous savez, je termine ceci, mais c'est vraiment important. On est dans le Nord depuis 2 ans. C'est pas chez moi là-bas. Je suis bien, mais je me sens pas à la maison. Je suis parti en Israël, et lorsqu'il fallait reprendre le vol retour, mon nom de famille, c'est Benoît-là, les amis. C'est pas français, c'est pas européen, ça vient d'Algérie. Et quand la militaire juive a vu ce nom, elle a dit, c'est quoi ça ? Comment ça se fait que tu as ce nom ? J'ai dit, c'est mon grand-père, c'est pas de ma faute. Et pour une des premières fois, je ne me suis pas senti bien quelque part. Et Dieu sait que lorsqu'on est loin de sa patrie, c'est difficile. Mais il y a encore une difficulté plus grande, c'est lorsqu'on est loin de la patrie qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu, dans son amour, nous donne de voir quelque chose pour patienter pendant le temps de notre pèlerinage et pour déjà nous reposer dans cette espérance-là. Alors, je vais vous inviter à la prière. Alléluia. Notre Dieu, Tu as tout fait lors de la création et tu as invité ta créature à se reposer dans ton œuvre. Mais c'était une image de la rédemption, du salut que tu allais nous accorder en Jésus-Christ. Je n'ai pas le droit d'ajouter quelque chose. Tout est achevé.
Et notre Dieu, tu invites chacun aujourd'hui à se reposer plus profondément en Jésus-Christ. Tu appelles quelqu'un et chacun d'entre nous à considérer Jésus. Père, je ne peux pas entrer dans le cœur de qui que ce soit pour faire saisir ta parole. Mais je recommande chacun de mes frères et sœurs à ton esprit, qui peut prendre de ce qui est à Christ et nous le donner, qui peut nous conduire dans toute la vérité. Je te demande, mon Dieu, de braquer le focus sur le bien-aimé, sur ton Fils, que ton esprit oriente les cœurs vers lui, que ton esprit fasse comprendre à quelqu'un, oui, qu'il est fatigué, même s'il a, il veut pas le reconnaître parce qu'il est orgueilleux peut-être et il dit, je veux prendre en main ma vie. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui quelqu'un s'abandonne entre les mains de celui qui veut porter à jamais son existence. Celui qui a dit, demeurez en moi et vous porterez du fruit. Seigneur, nous savons par expérience que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous avons tenté de nous vêtir. Nous avons tenté de produire, mais nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous pouvons impressionner les hommes, mais toi, tu nous invites juste à nous reposer dans ton Fils. Viens ouvrir mes yeux, Seigneur. Et les yeux de notre cœur à tous. Que ta bénédiction soit sur ton peuple ce matin encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On tape des mains ensemble. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum ensemble. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom? En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Car aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Et nous allons crier Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, oh, oh, oh Jésus, chantons Jésus, 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 Jésus.
Jésus, 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 oh, oh Jésus, oui Jésus, 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 oui Jésus, Jésus, oh, oh Jésus. Et on va proclamer Créateur, tu fais des miracles. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Yes. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, oui, Créateur. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et on repart sur Jésus. Oui, chantons Jésus. Jésus, 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 oh, oh Jésus. Au roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien.